C'est par lui et pour lui que nous vivons. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons encore une fois grâce au Seigneur qui nous donne cette opportunité de nous tenir encore devant vous pour parler de sa part. Nous disons encore une fois merci à papa et à maman pour ce privilège. Merci au collège. Merci à vous tous. Votre présence nous encourage. Votre présence nous fortifie. Vous êtes un peuple bien. Un peuple qui aime le Seigneur. Que Dieu exauce vos prières. Que Dieu vous donne plus que vous lui demandez, plus que même vous pensez. La Bible dit, il donne au-delà de ce que nous demandons. Il donne au-delà de ce que nous pensons. Le vœu de mon cœur, c'est que cette fin d'année soit une fin d'exaucement. Que Dieu exauce la prière de chacun. Et que l'année 2023 soit une année de témoignage, de louange et d'adoration. Je sais que 2023, c'est une année de gloire, une année bénie, une année d'excellence. Ta vie ne restera pas comme elle est aujourd'hui. Dieu va faire quelque chose. Aujourd'hui, c'est mon troisième jour, le dernier jour pour moi dans ce marathon. Alors, je souhaite vraiment prendre du temps en prière avec vous parce que le sujet sur lesquels nous sommes en train de parler, il demande qu'on prenne du temps en prière. Et je crois que le Saint-Esprit va nous aider. Nous sommes en train de parler de la puissance de la grâce, seul capable d'anéantir la puissance de l'ennemi. Déjà, le sujet bien-aimé nous montre que la puissance de la grâce et de l'alliance qui peut anéantir la puissance de l'ennemi. Alors, depuis le premier jour, le Saint-Esprit nous a aidés. Nous avons défini ce que l'alliance. Nous avons parlé des alliances que nous trouvons dans la Bible. Et jusque hier, le Seigneur nous a encore aidés. Nous avons parlé de plusieurs choses. Et que chacun de nous mette en pratique, que chacun de nous retienne ce que le Saint-Esprit est en train de parler à l'Église. Nous avons dit, bien-aimés, qu'il n'existe pas deux alliances. Nous avons une seule alliance, la nouvelle alliance en Jésus-Christ, dans laquelle nous sommes, par son sang versé à la croix. Et dans cette alliance, initiée par Dieu lui-même, nous entrons dans cette alliance par la nouvelle naissance. Sans la nouvelle naissance, on n'est pas en alliance avec Dieu. Alors, lorsque on est en alliance avec Dieu par la nouvelle naissance, nous avons deux choses à faire dans cette alliance. Et tout ce que nous sommes appelés à faire dans l'alliance, c'est pour nous permettre, bien-aimés,
d'activer notre alliance, c'est pour nous permettre, bien-aimés, de manifester la puissance de l'alliance que nous avons avec Dieu. Et nous avons donné quelques éléments pouvant nous permettre, bien-aimés, de consolider notre alliance avec Dieu, de rendre toujours active notre alliance avec Dieu. Nous avons parlé de la mort au péché ou la mort. Nous avons parlé de la disponibilité. Nous avons parlé de l'obéissance. Et nous avons parlé des sacrifices. Bien-aimés, ces points ou ces éléments sont très importants pour quiconque bien-aimé veut garder la puissance de l'alliance de Dieu dans sa vie. Vous pouvez être en alliance, mais vous ne voyez pas la puissance de l'alliance agir. Alors pour vivre la manifestation de la puissance de l'alliance, vous et moi, nous sommes appelés à observer ces éléments. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, nous lisons dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 15, le verset 11. La Bible dit, les oiseaux des proies. La version française courante parle des vautours. Il dit, les oiseaux des proies, des vautours s'abattirent sur les cadavres. Mais Abraham les chassa. Au moment où Dieu initiait l'alliance avec Abraham, Dieu recommande à Abraham de tuer les animaux et de les partager. Alors, pendant qu'Abraham avait fait ce que Dieu lui avait recommandé, la Bible dit que les vautours sont venus. Et ces vautours sont venus pour dévorer la chair, pour empêcher à Abraham d'entrer en alliance avec Dieu. Et la Bible dit que Abraham les a chassés. Mais nous avons la responsabilité de veiller, jour et nuit sur l'alliance que nous avons avec Dieu. Nous avons la responsabilité de chasser, de fuir, de nous éloigner de tout ce qui peut affaiblir notre alliance avec Dieu. Il est vrai que cette alliance est irrévocable parce qu'il y a un serment. Mais l'alliance peut être fragilisée ou affaiblie à cause de certaines choses. Alors, la Bible dit quand les vautours sont venus, Abraham les a chassés. Il y a des choses que vous ne pouvez plus supporter, approcher dans votre vie à cause de l'alliance. Mais l'alliance avec Dieu, c'est la chose la plus coûteuse, la chose la plus merveilleuse, la chose bien-aimée la plus forte que vous avez dans ce monde. Acceptez de perdre tout. Mais ne perdez pas votre alliance avec Dieu. Ne quittez pas l'alliance avec Dieu. Cette alliance est irrévocable. Mais il y a des gens qui ont quitté l'alliance. Dieu ne peut pas renoncer à son alliance. Dieu ne peut pas briser son alliance. Mais nous trouvons des gens qui ont quitté.
Lakini tunakuta bantu bengine baniacha agano. Nous trouvons des gens qui ont affaibli la alliance. Tunaona bantu bengine banaregeza. Bien-aimé, tout ce que vous attendez de Dieu. Bile biote mupendo na tumainia kwa Mungu. Tout ce que vous pouvez recevoir de Dieu. Bile biote naweza kupokea kwa Mungu. Vous le trouvez dans l'alliance. Utabipata ni ndani ya agano. Amen. Amen. Vous le trouvez dans l'alliance. Alors Abraham n'a pas supporté. Abraham wa kuvumilia. Il a chassé le vautour. Alifukuza bale bandege bakula nyama. Ici représente na apa apa bandege bakula nyama bana maanisha zambi. Bien, mais seul le péché mupendo peke yake zambi peut entraîner une personne. Inaweza kupeleka mtu affaiblir son alliance ya avec kuregeza agano yake na Mungu. Un jour, siku moja, pendant que Jésus était à jeûne, wakati Yesu, dans son jeûne de 40 jours, alikuwa mu mafungo ya masiku makumi ine. Là, nous le voyons dans Luc chapitre 4, tunaiona katika Luka sura ya ine, le verset 2 à 3, shahiri ya pili hadi ya tatu. Comme il était à jeûne, vile alikuwa mu mafungo, la Bible dit, Biblia nasema, il fut tenté par le diable. Alijaribiwa na shetani. Pendant 40 jours. Kadiri ya masiku makumi. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Akukula kitu mwile masiku. Et quand ils furent passés. Na wakati akapiti. Il eut faim. Na akasikia njaa. Le diable lui dit alors. Shetani akamwambia. Si tu es le fils de Dieu. Kama uko mwana wa Mungu. Ordonne à cette pierre. Amuru kui mawe. Que se change en pain. Igeuke iwe mikate. Le diable a observé. Shetani aliangalia. Il a attendu. Aliongojea. Et il a vu. Na aliona. Que Jésus. Ya kwamba Yesu. Avait faim. Alisikia njaa. Et quand il vit que Jésus avait faim. Na wakati ye Shetani aliona ya kwamba Yesu anasikia njaa. Il comprit que c'était le meilleur moment. Akaona ya kwamba ndio wakati. De lancer son attaque. Ya kushambulia. De sauter. Ya kuruka. Jésus avait faim. Yesu alisikia njaa. Et quand on a faim, na wakati uko na njaa, quel est le besoin? Ni hitaji ni nini? C'est le manger. Ni chakula. Oh, il a profité de l'état. Alifaitikia wakati. De famine dans lequel était Jésus. Ali ya njaa mwenye mlipatikana Yesu. Et il pensa qu'il pouvait l'avoir. Na hata akafikiria ya kwamba njoo. Heureusement Jésus. Eri Yesu. Était fort. Ni yeye alikuwa wa nguvu. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Biblia inatuambia alijaribiwa mu mambo yote. Il n'a pas péché. Lakini hakutenda dhambi. Bien, mais faisons très attention. Wapendwa tufanyeni ange. L'ennemi étant malin. Adui anakuwa mkalamushi. Il va étudier tes faiblesses. Atajifunza maudhaifu yako. Il va étudier quel point tu es faible. Atatafuta kujua ni mumambo gani unakuwa mdhaifu. Et il attendra le bon moment. Na ataongojea wakati pour mzuri. Frapper. Dieu a kugonga. Afin de t'éloigner. Dieu a kupeleka mbali. Ou d'affaiblir ton alliance Dieu avec Dieu. Dieu a kuregeza agano yako na Mungu. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu. Na ni vile sisi watoto wa Mungu. Nous devons nous connaître d'abord nous-mêmes. Tunapasha kuanza kujijua wenyewe. Chercher le brisement au péché. Kutafuta kuvunjika mambo ya dhambi. Chercher la délivrance au péché. Kutafuta kufunguliwa kwa mambo ya dhambi. Et savoir fuir. Na kujua kujifunza kukimbia. Savoir s'éloigner. Kujifunza kwenda mbali. Milieu na mafazi de certaines personnes. Na bantu bengine. Tu sais que tu es faible. Unajua kwamba uko mzaifu. Toi devant l'alcool tu ne tiens pas. We kama unaona mpombe paka uikutwe. Tu sais tu n'arrives pas. Na unajaribu wa uwezi. Tu veux toujours fréquenter les ivrognes. Lakini unapendaka paka kutembea na wale. Tu veux toujours passer là où les gens prennent l'alcool. Unapendaka kupitia paka pale bantu beko natumia. Que faire bien aimé? Utafanya ne fréquente plus ces gens-là. Na hata mbele ya bale bantu. Que faire bien-aimé? Na utafanya ne va plus là où les gens prennent l'alcool. Woko naenda kwenye batu beko natumia pombe. Ça peut t'aider même à 50%. Na hata saa zingine kwa pusenti makumi tano. A éviter. Unaweza kukwepa. La Bible dit. Biblia nasema. Si ton bras droit. Kama mkono yako ya kuume. Veut t'empêcher. Inataka kuzuiza. D'entrer dans le royaume. Usiingie mufalme. Coupe-le. Uikate. Bien, mais à cause de l'alliance, il y a des choses à couper. Kuko bintu bya kukata. À cause de l'alliance, kwa sababu ya agano, il y a des choses à couper. Kuko bintu bya kukata.
Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a avec Instagram, TikTok, Facebook, TikTok, TikTok, il y a tout. Mais toi, tu sais que tu es faible. Tu ne tiens pas. Quand tu vois certaines images de femmes, tu veux rester 4 heures du temps, tu veux rester 6 heures du temps sur TikTok. Uko paka uko naangalilisha. Tu risquerais un jour. Siku ingine utaanguka. Mais à cause de l'alliance. Kwa sababu ya agano. Fais tout. Fanya biote biwezikanae. Pour protéger ton alliance avec Dieu. Tu kulinda agano yako na Mungu. Amen. C'est dans l'alliance. Ni ndani ya agano. Où Dieu a tout mis. Mwenye Mungu alitia vyote. Pour l'homme. Nous trouvons tout dans l'alliance avec Dieu. Mais l'alliance avec Dieu est un lien très fort. C'est un lien très fort que l'ennemi ne peut briser. L'alliance avec Dieu, c'est ça même sa bonté. L'alliance avec Dieu, c'est ça même son amour. Comme papa nous disait ici, l'alliance avec Dieu, c'est ça même sa compassion. Lorsqu'il se révèle à Moïse, quand il fait alliance avec Moïse, il se révèle, il dit l'Éternel. Na hata anasema niko compatissant, Mungu wa huruma, riche en bonté, utajiri katika wewe, lent à la colère, shirikake haraka haraka. Amen. Amina. Bien, mais notre Dieu, mupendo wa Mungu wetu, dans l'alliance avec lui, ndani agano pamoja naye, nous trouvons toute sa bonté, tunakutana mo wema wake wote, nous trouvons toute sa compassion, tunakutana huruma wake wote, nous trouvons tout l'amour de Dieu, tunapata mo upendo dans l'alliance avec Dieu, ndani agano pamoja na Mungu. Bien, mais gardons avec Dieu. Protégeons l'alliance avec Dieu. Et la Bible dit, cette alliance, Dieu l'a mis dans le cœur. Amen. Amina. Cette alliance, Dieu l'a mis dans le cœur. Elle n'est plus sur les tablettes. Aina tena pa vibao. Comme du temps de Moïse. Kama wakati ya Musa. Elle n'est plus sur les tablettes. Aina tena pa vibao. Comme du temps de l'ancien alliance. L'alliance avec Dieu, elle est aujourd'hui dans les cœurs. Elle est aujourd'hui en nous. Et nous avons la responsabilité de proclamer cette alliance. Nous avons la responsabilité de pratiquer cette alliance. Amen. Amen. Nous lisons 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 7. Mambo ya siku ya pili sura ya saba. De Chroniques chapitre 7. Mambo ya siku ya pili sura ya saba. Verset 11. Shairi yake ya 11. Nous allons descendre. Na tutashuka chini. À partir du verset 11. Tokea shairi yake ya 11. Nous descendons. Tunashuka. La Bible dit, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire, dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière et je choisis ces lieux, comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence,
Comme a marché David ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances. Nous pouvons nous arrêter là. Alors, Salomon finit de bâtir le temple pour l'Éternel. Et quand il finit de bâtir le temple pour l'Éternel, il va le dédier à Dieu. Et après toutes les cérémonies, la Bible dit la nuit, Dieu se révèle à Salomon. Dieu dit à Salomon, j'accepte, j'exauce ta prière, j'ai choisi cette maison. Désormais, je choisis cette maison. Dans cette maison, reposera mon nom. Dans cette maison, mon nom va résider. Même quand je fermerai le ciel, quand il n'y aura pas la pluie, lorsqu'il y aura la famine, lorsqu'il y aura la guerre, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom venait prier dans cette maison, lorsque quelqu'un aura des problèmes, lorsque quelqu'un sera en difficulté, lorsque la guerre se lèvera, si mon peuple venait prier dans cette maison, parce que je l'ai choisi, j'exaucerai la prière. Quand il n'y aura pas la pluie, je répandrai la pluie. Quand il y aura la guerre, je donnerai la victoire. Quand il y aura la famine, je donnerai à manger. Aujourd'hui, le temple de Salomon, que Dieu avait choisi, il n'est plus. Le vrai temple de Dieu avec qui il a fait alliance, c'est ton cœur et mon cœur. C'est le vrai temple avec qui Dieu a fait alliance. Mais si tu es le temple de Dieu avec qui il est en alliance, et à cause de l'alliance, Dieu Mungu peut intervenir. Dieu Mungu peut secourir. Dieu Mungu peut venir à ton secours. Il peut intervenir quand il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que tu es un temple consacré à Dieu. Tu es la maison que Dieu s'est choisi. Bien, mais la grâce, l'alliance avec Dieu, un sujet très important, un sujet très capital. Amen. Nous lisons toujours la Bible. Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 26. Le verset 16, 12 à 29. Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel les bénit. N'oubliez pas que Isaac était fils d'alliance. Il était en alliance avec Dieu. Et nous voyons ici, bien aimé, que Isaac a semé dans le pays. Et à cause de l'alliance, la Bible dit Dieu les bénit. L'alliance avec Dieu bénit notre travail. Les efforts ne suffisent pas. La Bible dit en vain. Vous vous réveillez tôt. Vous vous couchez tard. Et vous mangez le pain de douleur. Mais Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Ce passage n'encourage pas la paresse. Ce passage n'encourage pas le sommeil. Mais ce passage parle de bénéfices
d'être un bien-aimé de Dieu. Qui est un bien-aimé de Dieu? Si ce n'est celui qui est en alliance avec Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au moment où les autres se réveillent tôt, travaillent dur, se battent durement pour ne rien gagner. Ou pour gagner très peu. Qu'est-ce que Dieu fait? Mungu anafanya nini? Pendant que son bien-aimé, wakati mupendwa wake, son fils, sa fille d'alliance, yake mwanaume au mwanamke, dort encore, engaliki mbushiki. Dieu prépare le terrain. Mungu anatengeneza face. Dieu apprête la table. Mungu anatayarisha meza. Et quand celui-ci se réveille, na wakati huyu analamuka, il va aussi travailler comme les autres. Atatumika na yeye sababu mengine. Mais à la fin de la journée, lakini kumwisho le résultat mapato du bien-aimé de Dieu wa Mungu n'est pas mal au résultat des autres. Le résultat du bien-aimé mapato de Dieu wa Mungu, il est plus grand, iko kubwa, il est beaucoup, iko ya mide, il est plus fort, iko ya ngogo, parce que Dieu avait déjà préparé pour lui pendant qu'il dormait. Oh kulala, bien-aimé mpendwa, quel bonheur d'être en alliance avec Dieu. Na Mungu. Nous pouvons tous faire le même travail. Nous pouvons tous faire les mêmes études. Nous pouvons tous avoir le même diplôme. Mais la différence reposera sur celui qui est en alliance avec Dieu et celui qui n'est pas en alliance avec Dieu. On peut avoir le même âge. On peut être de la même famille. On peut être de la même génération. La différence, alliance avec Dieu. Agano pamoja na Mungu. La différence, achanisho, alliance avec ni Dieu. Agano pamoja na Mungu. Ils peuvent entrer dans les loges. Banaweza kuingia ils peuvent faire mbuchawi. Des pactes avec banaweza kupatana na Shetani. La différence, achanisho, alliance avec ni Dieu. Agano pamoja na Mungu. On peut tous être magistrats. Tunaweza kuwa si on peut tous batetezi. Être douaniers. Tunaweza on kuwa peut tous être commerçants. Tunaweza kuwa si nous nous engageons à faire la même chose. Tunafanya alliance avec le Père fera la différence. Bien aimé, l'heure est arrivée à ne plus te battre contre les hommes, à ne plus te battre contre les hommes physiques, à ne plus te battre contre la chair. L'heure est arrivée où tu dois te battre pour conserver l'alliance avec Dieu. C'est la chose pour laquelle tu dois te battre. C'est quoi l'alliance avec Dieu? Agano na Mungu ni par une nini? Définition simple. Katika l'alliance avec pesi. Dieu, Agano c'est na la Mungu. Communion avec Christ. Ne oshirika pamoja na ye. La communion avec Christ. Oshirika pamoja na Kristo. Mais les chrétiens sont faibles. Parce que nous trouvons n'importe quoi, n'importe qui dans l'église. On enseigne, on parle, c'est comme si on ne parlait pas. Les gens sont là avec leur fardeau. Bantu beko paka pale na mizigo. La sorcellerie, la magie. Ojibuchawi. Tout. Biote. Ça s'affaiblit la gloire il est et l'alliance. Nous revenons agano. À l'histoire d'Isaac. Tunaenda muadisi ya Isaka. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant. De plus en plus. Zaidi na zaidi. Jusqu'à ce qu'il devint fort na riche. Pale alikuwa mtajiri wa nguvu. Je crois. Na ata, qu'à part la richesse spirituelle inje utajiri à cause de l'alliance kwa sababu ya Dieu agano, peut donner la richesse matérielle Mungu kutupatia mali ya Dieu peut donner la richesse financière Mungu kutupatia mali l'église pesa. A besoin d'argent kazi na, kanisa na itajia l'œuvre de Dieu a besoin d'argent kazi ya Mungu ina itajia et pesa. Dieu veut rendre des hommes fort riches na Mungu anapenda dans cette église batajiri, mais il faut que ces hommes conservent l'alliance bachunge agano. Vous savez, le temple de Salomon, on a joué Ekalu ya Solomon, c'était un temple bâti très propre, avec des matériaux qui coûtaient trop cher. Na vitu vya bei kali. Et on a estimé le prix du temple
temple de Salomon à des milliards. Nabali esabia bei ya hekalu ya Solomon ma miliardi. Pourquoi tout se dépend? Dieu a nini kutosha pesa ile yote. Pourquoi toutes ces choses? Dieu a nini ibibitu yote. Pour la maison de Dieu. Jutu ya nyumba ya Mungu. Est-ce qu'on ne pouvait pas prendre seulement n'importe quel bois, n'importe quelle pierre, construire la maison de Dieu? Parce que c'est Dieu. Kwa sababu ni Mungu. Amen. Amen. Dieu Mungu aime la richesse parmi taifi, son peuple. Katikati ya taifa yake. Le temple de Salomon présentait cette richesse. Hekalu ya Solomon ilikuwa na maanisha utu. Pour refléter juu ya kuonesha la gloire de Dieu. Utukufu wa Mungu. Dieu Mungu veut que son peuple à cause de l'alliance. Anapenda taifa yake kwa sababu richesse ya agano bakuwe batajiri. On n'est plus bien aimé. Na ata, des problèmes. Tosikwe na magumu wapendwa. Que les appels te font. Na ata wakati kuna tafutwa pesa. Soit des appels de grosses sommes. Ikwe ni paka ya wingi ya pesa. Avant même de faire un appel. Mbele ata ya kuomba pesa. Un frère s'est déjà levé. Ndoku tu alisha kutafuta na. Moi je fais ceci pour Dieu. Nitamfanyia Mungu. Moi je fais cela pour l'église. Nitafanya kifulani juu ya kanisa. Ça glorifie Dieu. Inamtukuza Mungu. Dieu veut que dans sa maison Mungu anapenda ndani ya nyumba yake la richesse. Muwe mali. Qui va amener la richesse? Ni nani ataleta mali? Ceux qui sont en alliance avec Dieu. Bana kuwa muagano. La Bible dit Dieu le rendit fort riche. Biblia nasema akamfanya na kuwa mtajiri wa nguvu. On continue. Tunaendelea. Il avait des troupeaux, des menus bétail. Alikuwa na baba banyama ba kidogo tupite. Tu passes encore? On a passé de temps, nous voulons prier. Allez. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Le roi de Philistère va voir Isaac. Il lui dit, non, non. Isaac était un fermier, un cultivateur, mais le roi regardait. Il a dit non. Toi, on ne peut plus te supporter. Tu es beaucoup plus puissant. Oh bien-aimé, la grâce et l'alliance, l'alliance avec Dieu peut faire d'un simple commerçant un homme puissant dans le commerce. L'alliance avec Dieu peut prendre un simple monsieur fonctionnaire et faire de lui un homme puissant. Les Philistins ont tout essayé. Wa Filistini walifanya vyote. Ils ont comblé de la poussière le plein. Walijaza jaza udongo visima. Pour empêcher Isaac d'avancer. Kumzuiza Isaka ashindelele. Pour empêcher Isaac d'avoir de l'eau. Juu ya kumzuiza Isaka asipate maji. Mais la Bible dit. Lakini Biblia inasema. Isaac a creusé. Isaac alichimba. Jusqu'à arriver à Rehoboth. Mpaka ku Rehoboth. Oh bien-aimé. Mpendwa. Le vœu de mon cœur. Nataka kwa moyo wangu. C'est que l'alliance de Dieu t'amène à Rehoboth. Que l'alliance de Dieu étende tes limites. Que l'alliance de Dieu te mette au large. Là où il y a alliance, on peut combattre, mais on ne peut pas te vaincre. Bien-aimé, là où il y a alliance, ils te combattront, ils vont étouffer, ils vont tout faire, ils mettront des cales. L'alliance de Dieu te fera avancer. L'alliance de Dieu te fera avancer. Je suis venu lancer un défi aux sorciers. Je suis venu lancer un défi aux démons. Faites tout ce que vous voulez. Contre l'église de Dieu, vous ne réussirez jamais à la détruire. Vous ne réussirez jamais à l'étouffer à cause de l'alliance. Bien-aimé, ne t'occupe pas de leur intimidation. Occupe-toi à conserver l'alliance. Occupe-toi à soigner l'alliance. L'alliance de Dieu nous fait avancer au milieu de nos ennemis. La Bible dit, domine
au milieu de tes ennemis. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, en ce mois de décembre, tu vas reprendre le dessus. Tu vas dominer au milieu de tes ennemis. Tu vas dominer au milieu de la malédiction. Écoutez, Dieu n'a pas besoin de tuer le sorcier pour te bénir toi. Non, moi je ne connais pas ce Dieu-là. Dieu n'a pas besoin d'éliminer le sorcier pour te donner la promotion au travail. Dieu n'a pas besoin de tuer l'ennemi pour que toi tu vives la gloire. David dit, il dresse devant moi une table en présence de mes ennemis. C'est ce Dieu-là que moi je connais. En présence des ennemis, à cause de l'alliance, il oindrit ma tête. En présence de mes ennemis, à cause de l'alliance, il me bénit. En présence de mes ennemis, à cause de l'alliance, il donne le mariage. En présence des ennemis, à cause de l'alliance, il donne des enfants. En présence des ennemis, à cause de l'alliance, il donne le voyage, il donne le travail, il donne la promotion, il donne le bonheur. C'est ce que Dieu fera ce soir. Je connais le Dieu qui fait aujourd'hui. À cause de l'alliance, ils seront là en train de regarder l'Éternel qui dresse la table, l'Éternel oindrit ta tête. Oh, c'est ce Dieu-là que nous prions à elle. C'est ce Dieu-là que nous connaissons. C'est ce Dieu-là qui n'a pas peur des yeux rouges de l'ennemi. Le grincement des dents de l'ennemi n'intimide pas mon Dieu. La terreur de l'ennemi n'intimide pas mon Dieu. Oh, leur rassemblement n'intimide pas mon Dieu. La Bible dit, 1000 tomberont à gauche, 10 000 à ma droite. À cause de l'alliance, je ne serai pas atteint. À cause de l'alliance, Ubonèche et Imwaka, Imwaka, décembre, à cause de l'alliance, ils vont tomber à gauche, ils vont tomber à droite. Toi tu vas traverser, toi tu vas entrer en 2023. Ils vont tomber à cause de l'alliance avec le Seigneur de gloire, à cause de l'alliance avec le Père. C'est ce Dieu-là que nous vous prêchons ce soir. C'est Dieu-là que nous vous enseignons ce soir. Il est vivant. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a fait avec Isaac, sa promesse est irrévocable. Il le fera avec toi, papa. Il le fera avec toi, maman. Il le fera avec toi, mon frère. Tu n'es pas différent d'Isaac. Isaac était fils d'alliance, tu es aussi fils d'alliance. Isaac était fils de la promesse, tu es aussi fils de la promesse. Tu n'es pas différent. S'il a fait pour Isaac, ce soir, il va commencer à le faire pour ton travail. Il va commencer à le faire pour ta famille. Il va commencer à le faire pour ta vie. Oh, trop, c'est trop. Ce soir, tu vas dire à l'ennemi, tu as échoué. Pourquoi tu m'as laissé vivre jusqu'en ce jour? Écoutez un tel message. Satan, tu as perdu. Satan, tu as perdu. Il fallait me tuer avant ce marathon. Il fallait me créer que je sois absent à ce marathon. Mais comme je suis présent, comme je suis cet enseignement, Satan, tu me fais pitié déjà. Satan, tu me fais pitié déjà. Sorcier, vous me faites pitié déjà. Parce que le fils de l'alliance s'élève. Le lion qui dormait
se réveille. Le lion qui dormait rugit déjà. Oh, la Bible dit, tu es comme une lionne qui ne retourne jamais sans avoir déchiré ses ennemis et boire le sang. Oh, est-ce que je parle à un lion? Est-ce que je parle à une lionne? Ce soir, tu ne vas pas rentrer à la maison sans avoir déchiré la puissance de l'ennemi. Est-ce qu'il y a des lions ici? Est-ce qu'il y a des lions ici? Ah, ce soir, nous allons déchirer. Ce soir, nous allons déchirer. Je ne te vois pas rentrer à la maison comme tu es venu. Je ne te vois pas rentrer à la maison malade. Je ne te vois pas rentrer à la maison chômeur. Je ne te vois pas rentrer à la maison maudit. Je ne te vois pas rentrer à la maison avec le même fardeau. Ah, est-ce que tu peux rougir comme moi? Nguruma kama mimi. Oh, les lions! Les lions sont prêts! Les lions sont prêts! Les lions sont prêts! Les lions sont prêts! À cause de l'alliance! À cause de l'alliance! À cause de l'alliance! Les lions sont prêts! Oh, je ne sais pas continuer avec le message! Je ne sais plus continuer avec le message! Oh, je sens l'onction du lion! Il rougit! Il rougit! Le roi de la forêt! Ça va changer. Léo, ça va changer. Pourquoi l'ennemi t'a laissé assister à ce marathon? Pourquoi ils ne t'ont pas empêché? Oh, je le vois déjà en train de pleurer. Je le vois déjà en train de pleurer. Ils se posent déjà la question dans leur camp. Mais toi, n'est-ce pas, nous t'avons donné la responsabilité de l'empêcher d'arriver là-bas. Comment il est arrivé? Écoutez-le. Réponse. Je ne sais pas. Mais il m'a échappé. Je n'ai pas su le maîtriser. Il est arrivé. Oh, l'Éternel est là. L'Éternel est là. À cause de l'alliance. À cause de l'alliance. Une vie va changer ce soir. Une vie va changer ce soir. Et le Dieu que nous prions, le Dieu d'alliance, il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Oh, Rabba Yanda Rabakan. Rekaba Ramachanda Rabaka. Inda Yake Rabba Yando Rabaka. Irababaka Rabashandara. Rasa Yakira Mayando Kuma Rabaka. Le Dieu d'Israël, le Dieu des nouvelles cités de David, se souvient de son alliance. Il se souvient de son alliance. Ce soir, pour son peuple, Dieu se souvient de son alliance. Oura Shandara, Rakababa Bakara Baka, Yende Kebere Baka. Et est-ce que tu peux commencer à prier? L'Esprit me dit que tu pries. Tu vas commencer à faire tomber. Tu vas commencer à briser. Tu vas commencer à détruire. Comme un lion. Commence à détruire. Le Seigneur me dit qu'il a répandu son onction pour la délivrance des cas difficiles. Toi qui es resté longtemps au chômage, dans la stérilité, dans la pauvreté, dans la maladie, le Seigneur me dit, voici le jour que tu attendais. Ce jour, c'est aujourd'hui. Est-ce que tu peux prier? Frappe tes mains. Détruis les œuvres du diable. Brise les œuvres du diable. Ah, je ne te vois pas prier.
Est-ce que tu peux te tenir debout, prie? Prie au nom de Jésus. Dis Seigneur ce soir. C'est fini avec la maladie. Ce soir. Fini. Avec l'esprit de mort. Dans la famille. Fini. Avec la malédiction. Dans la famille. Prie, prie bien aimé. Prie. La main de Dieu est dans la salle. La main de Dieu sur sa tête. L'alliance est en train de crier. Certaines choses.